capitale a tout changé. Prenez les lettres, par exemple. Imaginez les millions de lettres que je reçois chaque année et qui ont cette tête-là. Bah, avant, j'en bavais. Grâce au service cognitif, tout devient lisible. Et avec Bing Translation, je peux tout lire en finnois. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ma langue maternelle. Yadra serukupuli. Kitos etolele tupasi x bansari x. C'est mignon. Ça, c'est mon sur Facebook. Oh, ça, c'est classe, c'est solide, c'est hyper stylé. Et alors, le top, c'est ça. Je déclipse, je reclipse, je déclipse, je reclipse, je déclipse, je reclipse, je déclipse, je reclipse. C'est bon, on a compris. Excusez-moi. Donc, quand on a lu toutes les lettres des enfants, il faut savoir ce qu'on va offrir à chacun. Avec Dynamics, je sais tout. Ce qu'ils ont eu comme cadeau l'année dernière, quels sont leurs souhaits, leurs bonnes actions, leurs bêtises. Et là, fini les grimaces au moment de déballer les cadeaux. C'est formidable, non? Et puis bon, il faut que tout le monde puisse travailler. Comme vous le savez, personnellement, je gère des équipes nombreuses, internationales, et comment dire, assez variées. Et puis, ils sont partout. À l'heure du télétravail, Teams nous sauve la vie. On travaille en équipe, on fait des visios, on travaille en asynchrone sur des documents partagés, on chatte. Et moi, j'aime bien les petits gifs, vous savez. Et ce qui est bien en visio, c'est qu'on peut changer son fond d'écran. C'est sûr, c'est un métier où on doit supporter la pression. Le 24 au soir, c'est le rush pour tout livrer. On n'a pas le droit à l'erreur. Avant, quand un traîneau nous lâchait, il fallait trouver une solution de fortune. Maintenant, grâce à HoloLens 2, je forme mes équipes facilement. Et on s'aide à distance grâce à Dynamics 365 Remote Assist. C'est super pratique. Je peux bricoler les mains libres tout en ayant les explications sous les yeux. Ah, du coup, j'ai pas besoin de courir partout. Quoique, ça me ferait pas de mal. Ah non, bah c'est vrai que le mois de décembre, c'est de la folie pour nous. Alors que le reste de l'année, disons qu'on a du temps pour soi. Et avec le cloud d'Azure, on gère, c'est simple, c'est flexible, c'est scalable et sécurisé. Et on ne paye que ce qu'on utilise. Du coup, ça fait des économies et des cadeaux pour les enfants. C'est bien, on peut la faire un peu moins... Oui, excusez-moi, mais moi quand on parle du cloud, hein... Bah tiens, puisqu'on parle du cloud, je vais vous parler de ma nouvelle passion, la data. Parce que moi, depuis que je fais ce boulot, croyez-moi, j'en ai accumulé de la data. Surtout depuis que j'utilise Azure IoT avec des objets connectés. Et avec Power BI, je peux tout voir en temps réel. Formidable. En plus, grâce aux algorithmes produits par nos data scientists, on peut faire de l'IA. Maintenance prédictive sur les traîneaux. Recommandations d'emballage cadeau pour les enfants. Et plus encore. Mais attention, pas de cloud, pas de data, pas de data, pas d'IA. Et pas d'IA, pas d'IA. Bon, ben moi, je vais être honnête avec vous, le code, j'y comprends rien. Mais je vais vous montrer mon dernier petit outil magique, la Power Platform. C'est du low-code, no-code, vous voyez? Avec ça, je peux créer mes applications moi-même. Ben, comme ce chatbot qui répond automatiquement aux enfants qui se plaignent de leurs cadeaux, alors qu'ils n'ont même pas été sages. Bon, ben, écoutez, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous, mais là, vous allez m'excuser parce que là, j'ai un brainstorm, enfin, un call, une visio, enfin, un call, tout ça, quoi, voilà. Et dire qu'il y a 2 ans, il arrivait à peine à allumer son smartphone.